tous les amis, c'est MinoCraft8, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, les amis, on se retrouve dans un nouveau jeu d'horreur. Enfin, le premier que je fais sur la chaîne, les amis, vous voyez cette fois. J'ai mis pour vous voyez, pour vous m'entendez bien aussi. Donc, les amis, ce jeu s'appelle. Alors, je sais plus. Donc, on va. C'est pas. Next. Si on clique sur Next, ça fait quoi? Alors, ouais. Le jeu d'horreur, les amis, c'est un jeu d'horreur. Donc, ceux qui veulent pas regarder, ne regardez pas. C'est vraiment horreur. J'ai essayé de faire ce que je peux, voilà. Donc les amis, on va y aller. Donc, le couvercle a été bloqué. Virgule, je vais devoir trouver une nouvelle sortie. Je ne sais pas quel genre de piège je suis, mais je dois trouver le violon. Okay. Oui, je trouverai ce violon et je quitterai cette foutue maison avec lui. Alors, les amis, j'ai trouvé vraiment. Alors, faites attention, je dois m'assurer que le propriétaire ne m'écoute pas. Je suis sûr que ce n'est pas très amical. Oh non! On avance. Ok, j'ai trouvé. Attends. Attendez. Comment on fait pour un système? Voilà. Oui, mais on peut changer les touches ou les principales. Ok, bon. C'est pas grave. On va aller. Alors, en note, on a une note. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller. Comment on fait? C'est. Faut vraiment pas que le propriétaire me voie, à ce que j'ai compris. C'est le propriétaire. Alors, quand je fais ça, je peux balancer mes affaires. Ok, bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Donc, le jeu est disponible dessus PC. Je ne peux toujours pas utiliser ça. Ah! Ok, donc. Je ne sais pas du tout comment ça marche. Alors. Il me voit pas le propriétaire? Cette porte est bloquée. Bon. Si vous connaissez des jeux d'horreur, vous pouvez me dire. Ça me ferait extrême plaisir. Qu'on a des planches. Cette porte est bloquée. Alors, je ne comprends pas du tout ce qu'il y a écrit en haut, mais je dirais que c'est pas très bon en fait. Oh, le propriétaire. Okay, donc la porte, celle-là, est ouverte. Attends, fermez la porte. Voilà. Est là-bas. Je viens de le voir. Alors, si vous connaissez ce jeu, cette porte est bloquée. Si vous connaissez ce jeu, les amis, vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Je peux toujours pas utiliser cela. Mais pourquoi je peux pas utiliser cela? Donc à mon avis, c'est pas très bon en fait. Ok, donc laissez-le allumer. Laissez-le allumer la chaudière. La chaudière! Il y a plein de trucs, c'est des casiers mon gars. Et j'ai pas l'habitude de jouer avec un avec le W, donc c'est un jeu anglais. Cette porte est bloquée. La musique est creepy. J'ai trouvé une note. Une note. Je vais vous dire, les amis, c'est très stressant comme jeu. Alors que le propriétaire ne me voit pas tout de suite. Donc. Alors, la chaudière, c'est ça? J'ai besoin d'un sfray. Oh non. Okay, donc c'est barré, donc il faut un sfray. Je sais pas ce que c'est qu'un sfray. Tu as besoin d'une clé. Apparente la sensibilité, système. Sensibilité, sensibilité, sensibilité. Il n'y a pas de sensibilité. C'est quoi ces jeux? Vraiment. J'aime pas du tout les jeux. J'aime pas les jeux d'horreur comme ça. Alors, il y a fermé la porte ou ouvrir la porte. Alors, Il m'a vu?
pas utiliser la clé. Ok, donc on va aller voir l'autre côté. Je sais pas du tout ce qu'il y a de l'autre côté, mais je dirais que ça me plaît pas du tout. Alors, il y a tellement de trucs. La sensibilité du jeu est pas super. Oh, un bar. Donc un spray, il me faut. Il me faut un spray. Un spray. Il semble déconnecté. Ouais. Donc si vous voulez un autre épisode dessus, ce genre de jeu, dites-le moi dans les commentaires. Je sais pas, j'ai lancé mon ordinateur et... Il y a un truc là. C'est quoi ça? Ce vieux livre laisse partie d'une machine à musique. Oh, attendez, mais c'est ça la machine à musique? Non? Ah! De la vie. Donne ça. Ok, donc attendez, on va essayer de sortir. J'ai dû faire du bruit ici, alors il a dû venir. Ouais, j'ai fermé la popote. Il y a une porte là-bas. Enfin, je crois que les portes de là-bas sont bloquées. Alors, une boîte à musique. Où est-ce qu'on a vu une boîte à musique? Non, une boîte à musique. Il me faut pour la boîte à musique. Reculer, c'est ça. Désolé s'il y a des bugs. Mais il fait exprès ou alors? La boîte est... Alors là, c'est pour s'échapper. Exit. Bon. Il a rien dans les mains. J'ai cru qu'il avait quelque chose dans les mains. J'allais me dire, attends. Non, c'est bloqué. On va retourner en bas. Alors, je sais pas du tout à quoi ça sert ce que j'ai dans les mains. Cette porte est bloquée. Vous avez besoin de garder les deux mains libres pour cela. D'accord, en fait, je viens juste de lâcher ça pour rien. La boîte à musique. Alors, est-ce qu'on a vu une boîte à musique, nous? Les graphiques sont pas très bien faits, mais je trouve que quand même c'est bien fait. Pour un jeu d'horreur que je connaissais même pas. Entrez-le pour démarrer la chaudière. Il y a déjà quelque chose dans votre main. Ah, d'accord, on peut pas le prendre si on a quelque chose dans la main. Alors. Boîte à musique super, mais la boîte à musique elle est où? J'essaye de trouver. En fait, ça passe à travers les murs, tellement que c'est bien. Me dire, attends, elle est où passer mon truc à musique? J'ai trouvé une note. Je sais que t'as trouvé une note, mais est-ce qu'on. On peut sauter? Attends. J'ai trouvé une note. D'accord, on peut pas monter en haut. Encore une note. Il y a tellement de trucs. J'y comprends pas grand chose, donc si vous savez quelque chose que vous avez vu et que j'ai raté moi, dites-moi dans les commentaires. J'ai besoin d'un spray. Ah! C'était le vieux papy. Il voulait ma peau cette fois. J'en suis sûr. Alors là, les amis, voilà, donc je traduis ce jeu parce que là. Je peux pas utiliser la clé qui est en bas, donc la clé, bah, elle est bloquée quoi. Donc j'ai trouvé ça. Non, non. Ah bah bravo. Alors un, ah voilà, ah des pièces. Il y a plusieurs pièces. Il y a des, peut-être qu'il y a quelque chose, on peut cliquer dessus. Ça, on a l'impression. Là, on peut la. Ah oh, oui, il y a quelque chose derrière. C'est une boîte à musique, ça? Mais j'ai paumé le machin en fait. Ok, bon. J'ai trouvé un. Des fils. Voilà.
Examiner, il n'y a rien. On va reprendre notre truc. Le vieux papier est pas là. Cette porte est bloquée. Donc on a trouvé des fils. Ou alors, un câble peut-être nécessaire quelque part. Heureusement qu'il ne voit pas. Sinon, on serait mort depuis longtemps. Cette boîte à... C'est quoi ça? Ce livre est important, il y a quelque chose dans votre main. Je sais. Et je ne peux pas utiliser le livre. Donc là, on a ancien disque. Un ancien disque. On a une bouteille de coca. On a un fil électrique dans la main. Mais je ne sais pas du tout à quoi il sert. Donc, non, on peut passer. On peut même pas sauter. Vous savez, les gens, en vrai, moi, dans la vraie vie, vous savez qu'on peut. Je ne sais pas ce qui. Je peux faire avec cela. Ben, tu fais rien, tu touches même pas. Déjà, pourquoi t'es entré là-dedans? Mon gars? Ok, il n'y a rien là-dedans. Alors, moi, ce qui est bizarre, c'est que j'ai un câble électrique. Alors, le câble électrique... Ah! Putain! Mais je sais qu'il me fait rien, mais... Ah, putain! J'aime pas les jeux d'horreur. Enfin, j'ai un petit peu, mais... C'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo aujourd'hui, les amis. Bon, alors... Je peux toujours pas utiliser cela. Mais j'ai trouvé un câble électrique et il me sert à rien. Putain, mais... Faut pas surgir comme ça, mon gars. Je sais, c'est bizarre, mais... Donc... Il n'y a toujours rien. Alors, à mon avis, il faut monter en haut, mais c'est juste que je ne sais pas du tout comment on fait. Regardez. J'ai trouvé une note. Alors, est-ce qu'on peut... Attends, est-ce que si je lâche ça... J'ai trouvé une note. Note. Élément. Ah, attendez, attendez. J'ai un élément là. Si on fait ça, l'élément, bah, il n'est plus là. Alors, note. Alors, j'ai plusieurs notes. R. Ok. Alors là, il n'y a pas du tout. Le système, il est là. Donc, on a... Cette porte est bloquée. Donc, il y a un truc derrière le... J'aime pas quand... J'aime pas quand il y a des couloirs comme ça. Non, on va remonter là-haut. On peut fermer la porte. Non. Il est en haut ou en bas? Vous avez besoin de vos deux mains libres. Je sais, mais... Un fil électrique, j'ai fouillé partout. J'ai fouillé partout. Et je ne trouve rien qui va avec ça. Alors, à mon avis, le câble électrique, ce serait pour là-dedans. Pour ouvrir la moire. On a l'impression de pouvoir la déplacer, mais on peut la dé... Oh, attendez. Je dois mettre quelque chose ici. Je sais, il faut mettre le livre. Alors, j'ai pas vu le vieux pépé depuis un moment. Mais tant mieux, je vais te dire. Faut peut-être mettre le livre. Prends le livre. Voilà. Prends le livre, Gilbert. Oh, il est là. Mais il m'a fait flipper tout à l'heure, celui-là. J'ai encore peur. Attendez. Comment on met quelque chose? Y a pas un... Non, je voulais pas le balancer. Je voulais pas le balancer. J'avais même plus à bouger. Alors ça, c'est un livre. Ça marche pas. Donc on a plusieurs trucs, on a ça. Alors attendez, R ça sert à quoi? Rien du tout. Alors, attends. Il y a des choses. X. X ça sert à rien. Mon gars. Attends. Alors, j'ai balancé ça. Et puis il va falloir peut-être que je trouve. J'ai ramené toutes mes affaires ici, vous savez. Pour tout ce que je connais, quoi. Quelle vue est là. Oh, attendez! Il y a encore un truc ici. On va pouvoir peut-être mettre ça là. Le livre, le livre. Ce livre est important. Je le sais. Ok, donc il est sorti, tant mieux, je vais te dire. Alors, il faut peut-être mettre ici.
Non? Alors là, on va le balancer. Attendez, le livre. Attends, on va essayer avec tout, hein, tout ce que je connais. Non, mais. Je vais me dire, attends, non. Ils se sentent déconnectés. D'accord, je viens de comprendre. Ok, il me faut le fil. Oh putain, j'ai failli flipper. Donc attendez, il faudrait peut-être le fil en fait. Pour. Mais oui, c'est logique. Donc, attendez, le vieux papy. Il traverse les murs. Il me faut que je mette ça. Donc j'ai trouvé un truc. Oui! Donc ça va avec. Non. Ah, disque! Il faut le disque! Attends, alors ça. Attends, on va prendre ancien disque. Je pense que le disque, il faut le mettre dedans, mais. Ça me fera quoi en fait? Ça me donnera quelque chose pour te placer la suite et tout. Il manque quelque chose pour que tout aille bien. Le livre. Il faut le livre. Non? Oh, non. Ah. Prends le câble. Il manque quelque chose. Ah! Putain. Coco. Attends. Il manque un truc. Ah non, il va pas avec ce truc. D'accord, ben on va le mettre là. Il manque un seul truc, les amis. Ben alors là. Là-dedans, il y a quoi? Il y a rien. J'ai dit exact. J'arrive même pas à contrôler encore le personnage. La porte est bloquée, donc je peux toujours pas utiliser ce qu'il y a là. Cette porte, c'est toujours bloqué. Bon. Alors là. Attends, j'ai pas fouillé dans la porte là-bas, il y a une porte. À mon avis, elle est bloquée, c'est ça? Attends, là. Ah non, elle pouvait aller quand même. J'ai trouvé une note. Ah oui, mais les notes, faut que je les regarde après en fait. Oh non! Bon, en tout cas, les amis, on va s'en arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si tu veux d'autres vidéos comme ça, les amis, dis-le-moi dans les commentaires. Et mettez une tonne de pouces bleus, s'il vous plaît. Une vue égale un like, s'il vous plaît. Donc, je veux au moins 5 likes, si vous voulez, la suite. Bon, j'en ai toujours 3, donc je le sais très bien. Et allez vous abonner à Hypozam et à Legendary 59 et à Dragon et tout le bordel qui s'affiche actuellement à l'écran et dans la description de la vidéo. Donc, merci d'être passé sur ça, les amis. Voilà, donc c'était Minocraft 8. Allez, au revoir les amis. Bon, par contre.